Aujourd'hui, c'est mardi le 27 octobre 2020. Bonjour à tout le monde sur ce plateforme. Comment allez-vous? Ah, ici pas mal, moi je vais bien. Our topic for the day is les adjectifs de nationalité. Unlike the English nationalities, which they don't talk about gender or number, in French, every adjective must agree with the corresponding noun or the noun is being used for. So by the end of this lesson, each and everyone will be able to use appropriately adjectives of nationalities. So I'm going to start with the name of the countries, les pays, et puis le masculin et le féminin. Donc, je vais commencer avec le pays de Togo. Donc, l'adjectif masculin serait togolais. Et puis, le féminin serait togolaise. Donc, comme exemple, on dirait aux filles est togolais. Ama est togolais. So, Kofi est togolais. Ama est togolais. The E makes the difference from the masculine noun Kofi and then the feminine noun Ama. So Kofi est togolais, Ama est togolaise. Répétez après moi. Kofi est togolais. Encore. Kofi est togolais. Ama est togolais. Ama est togolais. Donc, un autre exemple. Le Gabon. Gabonais. Gabonais. Le Sénégal. Sénégalais. That is the first category. I will add more examples to the notes that I will add to the video. Donc, on dirait aussi Kofi est Gabonais, Ama est Gabonais. Kofi est Sénégalais, Ama est Sénégalais. Deuxième catégorie, nous avons le Ghana. Ghanéen. 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 Donc, Peter est Ghanéen. Is est Ghanéen. Un autre exemple, la Guinée. La Guinée
guinéen. Donc, vous répétez après moi, Pita est Ghanéen. Répétez. Pita est Ghanéen. Pis est Ghanéen. Pis est Ghanéen. Troisième catégorie, nous avons le Mali. Malien. Malien. Exemple. Paul est malien. Paula est malien. Un autre pays, la Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirien, Ivoirien. Pita est Ivoirien. Emilia est ivoirienne. Donc, quelques exemples. Quelques exemples. Nous avons. Exemple. Kofi vient du Ghana. Il est donc, Ghanéen. Kofi vient du Ghana. Il est donc Ghanéen. Répétez après moi. Kofi vient du Ghana. Il est donc Ghanéen. Ama. Vient du Ghana. Elle est donc Ghanéen. Now, people may ask, why should we write our nationalities with a small letter? Why by an English language it is written with a capital letter? The reason being, nationalities in the French are taken like adjectives. They are not like proper nouns for us to use capital letters for them. But unless we say a Ghanaian is coming or a Frenchman is coming, that one you have given it a proper noun. It can be written in with a capital letter. With all what we have done so far, I will urge you to follow all this. I will add more notes to it. Then I will give you an assignment. Please, last time when the work was given to you, only two people were able to submit their work. That was one Sophia and one Grace. I don't remember the other one. But this time, if you don't force, by the time you come, people will be ahead of you. So this is the end of our grammar lesson. We will continue with vocabulary or comprehension or reading and comprehension. So
Thanks for viewing my video. Next time. Au revoir. Merci.